Abou Solombo, je suis acteur. Pour le moment, acteur, mais sinon, je suis comédien, metteur en scène, écrivain. Mais je suis là en tant qu'acteur dans le film de Jean-Pierre Bokolo, Miraculous Weapons. Je suis Camerounais et je suis né au Cameroun, à Mongongo, dans le sud du Cameroun. Un chant de son, difficile à résumer en quelques mots. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui raconte les trois premières années de sa vie avec son GPS, qu'il appelle affectueusement comme ça, son grand-père spirituel, et qui lui raconte que l'univers tout entier est magnifique, plein de couleurs, de lumière et surtout de sons magiques. Et à 3 ans, le petit garçon doit rentrer à l'école publique, à l'école gouvernementale, et là, il découvre qu'il y a d'autres manières, pas toujours très douces et très bienveillantes, de concevoir la vie et de transmettre la connaissance. Voilà, c'est un spectacle qui dure 1h30. Que j'ai eu le bonheur de jouer dans plein d'endroits à Paris, au musée d'Appert, au Splendide, et qui continue sa vie, et j'en suis très content. Les gens aiment beaucoup et moi je suis toujours très heureux de pouvoir partager ça. On passe de l'écrit au cinéma. Je m'amuse toujours à dire que les civilisations africaines dont je me revendique, auxquelles j'appartiens avec bonheur, parce que ce sont les civilisations premières, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, sont des civilisations qui sont avant tout, qui ont choisi de rester des civilisations vivantes, vibrantes, organiques, et ce qu'on appelle communément orales. Et donc je les définis moi comme des civilisations, non pas de l'écriture, mais de l'inscriture. Dans la mesure où si on n'a aucune impression, on ne peut rien exprimer. Et pour écrire, c'est-à-dire mettre le signe à l'extérieur, il faut qu'il y ait du signe dedans. Et pour moi, toutes les civilisations du monde, qu'elles le sachent ou non, sont avant tout, pendant tout et après tout orales. C'est-à-dire que pour rendre vivant un livre, qui pour moi n'est qu'un bloc, un champ de signes endormis, c'est pour ça que je dis champ de son, un champ de signes endormis, en attente d'être remis en souffle, en mouvement, en vitalité, par une voix humaine. Et donc on revient toujours à l'oralité, ora, parler, prier, on retrouve ça dans oratorio, on retrouve ça dans oracle, on retrouve ça dans oralité, voilà. Alors le sujet, Miraculous Weapons, les armes miraculeuses, inspiré donc de l'œuvre d'Aimé Césaire, un recueil de poésie d'Aimé Césaire. Et c'est l'histoire d'un homme, Jamal Okoroko, qui est en prison depuis une quinzaine d'années, qui n'a pas vu sa femme depuis 15 ans, et qui reçoit la visite de sa femme, évidemment, et de 2 jeunes femmes blanches, dont une française, et une qui arrive de la Suisse germanique. Et la particularité de ces visites, c'est que la jeune fille française vient continuer à lui donner des cours de français parce qu'elle a appris par les écrits que Jamal Okoroko aimait beaucoup la langue française. Parce qu'en prison, il découvre, grâce à un ami, un autre condamné, Albert, il découvre Senghor, il découvre Sartre, Orphée Noir, et il découvre surtout Césaire. Et donc il se prend d'amour comme ça pour la langue française parce que pour lui c'est une langue révolutionnaire. Le concept de la négritude qui fait que des noirs, comme il dit, magnificent black poets, des jeunes noirs bourrés de talent, prennent la langue de l'oppresseur et à l'intérieur de cette langue créent un concept à partir d'un mot qui a été insultant dans la bouche de l'oppresseur, nègre. Et ils font de ce mot un concept de libération qui est négritude. Et pour lui, c'est extrêmement fascinant. Et lui qui est condamné à mort se dit, voilà les fenêtres et les portes à travers lesquelles je pourrais m'évader autant que je veux. Sur les photos de nu, quand on est enfermé et qu'on n'a de contact avec l'extérieur qu'à travers une vitre, c'est très difficile de ne pas être tenté de laisser le corps se réjouir. On aime noter, on est enchaîné, donc on n'a même pas ses mains pour pouvoir se toucher, voilà. Donc c'est très compliqué et il a des femmes autour de lui. C'est quelqu'un, comme il dit dans le film, pour se maintenir en vie, pour maintenir le cerveau en fonction, pour éviter de s'enfermer dans le fait qu'on tue des gens, il faut rester vivant.
Et la sexualité, la sensualité, la sensibilité étant les outils qui nous permettent de reproduire l'humanité. Pour Jamal Okoroko, c'est très important. S'agissant de la photo de la femme blanche, beaucoup de gens m'ont posé ces questions. Non, mais est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'il est amoureux des femmes blanches? Pourquoi il parle à sa femme très durement? Moi, je crois que cet homme-là est très amoureux de sa femme, mais profondément, essentiellement. Il ne veut pas qu'elle craque. Et c'est un amour qui est sensuel, sensible, mais qui est surtout spirituel. Avec les femmes blanches, il entretient un amour humain. Nous sommes en plein apartheid. Et plutôt que de voir un fantasme d'un homme noir, si on avait le temps, on en parlerait, parce que c'est la première forme d'enfermement. Les gens disent, mais pourquoi il est en prison? Quand la jeune fille blanche qui lui enseigne le français lui demande, qui êtes-vous? Il ne dit pas, je suis un Sud-Africain, ou je suis un ouvrier, ou je suis un révolutionnaire, je suis un membre de tel parti. Il dit, je suis un homme, I'm a man who dreams. Je suis un homme qui rêve. Je rêve d'en faire plus encore, et tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices qui ont des rôles aussi beaux, aussi forts que celui-là de Jamal Okoroko, je suis preneur, parce que pour moi, c'est ce cinéma-là, c'est ces différentes formes de cinéma-là que le monde entier attend. Non seulement parce que si nous sommes le continent premier, le berceau de l'humanité, alors toutes les histoires du monde sont nées ici. Alors c'est nous qui sommes dépositaires de l'essence même de toutes les histoires du monde. Des histoires vraies, je ne sais pas, mais des histoires utiles à raconter. Le monde se racontait depuis l'intérieur, non pas seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Je pense que c'est ici que ça se passe. Nous sommes avant tout une terre où le cinéma, où l'image, le son sont absolument prioritaires. C'est vital. Nous sommes une terre de contes. Et pour moi, le conte est l'ancêtre du scénario, du stand-up, du one-man show. Et voilà, donc j'attends avec impatience de pouvoir tourner chaque année au moins 2-3 films comme celui-là. Le cinéma, c'est sur Africa 24. Allez voir des films, aimez les réalisateurs, aimez les acteurs, aimez le cinéma, aimez l'Afrique, aimez le monde, aimez la paix, aimez l'harmonie. L'humanité tout entière en a grand besoin. Et puis, j'ai eu 3 ans. L'âge pour moi d'aller me faire inscrire à l'école gouvernementale, à l'école publique. L'âge pour moi d'aller apprendre à devenir médecin ou pharmacien pour ma mère, avocat ou juge pour mon père, évêque puis archevêque ou